Bienvenue tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du conseil municipal de Mont-Royal, Tuesday, March 21st, 2023, 7 p.m. In opening the meeting, we are going to have the announcements from our council members. And with that, I will turn to district number one and Antoine Détaillard, please. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Ce soir, j'ai deux annonces à vous faire. La première, c'est concernant la Chambre de commerce et d'industrie Saint-Laurent-Mont-Royal. Il y a une nouvelle directrice générale qui remplace la directrice qui a servi pendant plus que trois décennies. Et nous sommes ravis d'avoir une nouvelle personne dynamique qui va s'occuper de ce bassin d'entreprises qui sont dans notre ville et aussi à Saint-Laurent. Mais essentiellement, notre ville a pris, si vous vous rappelez bien, a pris une excellente place dans les dernières compétitions des entreprises qui opèrent dans notre région. Il y a eu vraiment de très bons résultats et donc nous sommes ravis d'avoir aussi une chambre qui va soutenir et accompagner le rayonnement de nos entreprises qui sont à Ville-Mont-Royal. Pour le deuxième point que je vous amène ce soir, c'est concernant je retrouve mes points parce que ça a fermé le... Donc c'est concernant, it's about the office closing for Easter holidays, Friday, April 7th and Monday, April 10th. In observance of the Easter holiday, all municipal offices will be closed on Good Friday and on Easter Monday. In case of emergency, please contact Mount Royal Public Security at the number that you know. It's on the website, but I'll give it again, 514-734-4666. And I would like to take this opportunity to also wish other communities that are celebrating during this month and until our next meeting. There will be Passover starting on April 5th. So happy Passover in advance. And also for the Muslim community, Ramadan is starting tomorrow. So Ramadan Mubarak for them. And we wish you all good health for you and your families. Thank you. Thank you. And District 2, Mrs. Kamali. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais faire deux annonces. Première, ça concerne la sécurité publique. Avec le printemps qui est à notre porte, la sécurité publique prépare les deux afficheurs radars mobiles pour les déployer dans les prochaines semaines sur notre territoire. Vous verrez donc prochainement les deux dispositifs aux endroits stratégiques en ville, en fonction des constatations au plan de vitesse, mais aussi aux endroits sensibles comme près des écoles, des endroits névralgiques ou piétons. Cyclistes et automobilistes partagent la voie publique. Nous vous rappelons également qu'il est important de respecter les limites de vitesse et les autres règles de code de la sécurité routière. Afin d'assurer une meilleure sécurité près des écoles, à partir de la semaine prochaine, la sécurité publique sera moins tolérante en ce qui concerne les infractions autour des écoles, aux entrées et aux sorties des écoles, et des contraventions seront émises à ce sujet. On vous demande d'être vigilant, de respecter la signalisation en place et d'être prudent. Ça, c'est la première annonce. Et le deuxième concerne le nettoyage pendant la période printanière. Spring cleaning operation. The town's public works clean up teams are getting ready to clean the streets on the sidewalk, walk, and in public areas as part of this spring cleaning operation. Please respect the parking regulation. Veuillez respecter les dates prévues pour les collectes des déchets volumineux pendant le printemps et veuillez ne pas souffler ou déposer des résidus de nettoyage dans la rue ou sur le trottoir. Je vous souhaite un bon conseil. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à Daniel Pilon. Bonsoir tout le monde. Deux petits messages courts concernant les activités culturelles et communautaires. La brochure est en ligne sur le site web de la ville depuis le 13 mars. La période d'inscription pour les activités aquatiques est à partir de lundi prochain, le 27 mars, dès 18h en ligne seulement. Et pour les activités des loisirs, à partir du mardi 28 mars à 9h. Des ordinateurs et du personnel seront à votre disposition au bureau d'inscription pour vous aider, ainsi qu'une assistance téléphonique
au 514-734-2928. Un petit rappel important aussi concernant la vitesse dans les rues et autour des parcs, et particulièrement dans les zones scolaires, comme ma collègue en parlait aussi. Dans les rues de la ville, on demande à tous les résidents d'être courtois et respectueux de la signalisation, particulièrement dans le respect pour les piétons. Les vitesses limites permises sur les rues et boulevards, c'est 40 km maximum et 30 km près des parcs et des zones scolaires. Merci. Merci beaucoup. Alors, on passe à district numéro 5. Julie Hall, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. J'ai une petite nouvelle pour le programme des food trucks pour cet été. So with the partnership of the Association of the Restaurateurs de Rue du Québec, we will have 1 to 2 food trucks on Thursday evenings during the Rendez-vous Gourmand. A 15-week season is planned for 2023, combined with the public market. Visit cuisinederue.org to see which food trucks will be on site each week. Au plaisir de se retrouver le 22 juin pour notre premier Rendez-vous Gourmand. Thank you very much. Alors, district numéro 6, Caroline Descalouet, s'il vous plaît. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, le 22 avril, c'est le jour de la Terre. Comme vous le savez, c'est une journée qui est dédiée à sensibiliser les habitants de la planète sur les enjeux environnementaux. Plusieurs municipalités vont organiser des activités et Ville-Mont-Royal fera de même. On vous invite à aller consulter le site Internet début avril pour avoir certains détails sur les initiatives qui seront mises en place. Je peux déjà vous annoncer que le 18 avril, il y aura une conférence à la bibliothèque dans le cadre de cette journée où on a un conférencier qui vient présenter les fruits de ses recherches paléolithiques sur l'île d'Anticosti. Donc, bienvenue à tous. Une inscription est requise. Merci beaucoup. On passe à Sébastien Dreyfus. Bonsoir. On March 25th at 8:30, it will be Earth time. So turn off your lights, connect to the planet, and turn off your lights for the Earth Hour. After beginning at 8:30 p.m. Eastern time, take part in the 2023 edition of this annual event organized by the World Wildlife Fund, which aims to raise awareness and of species decline in communities around the world. The town encourages you to participate and turn this into a family event. Et sous une autre note, j'aimerais vous faire part que l'aéroport de Montréal a fait part qu'il y aurait des travaux sur la piste nord du 13 mars au 23 juin, ce qui fait que nous serons affectés par un plus grand nombre d'avions qui vont circuler à cette période-là, puisque la piste qui est au nord ne sera pas utilisable pour des travaux de réhabilitation du béton du tarmac. Merci beaucoup. Et finalement, district numéro 8, Sophie Séguin. Merci. Alors, bonsoir. We're very lucky to have amazing programming at our library, and I invite you to visit the town's website, the brochure that's online, and at the library itself, to find out all of the amazing activities that are taking place. There are activities for Easter for young children. There is a special show in April for children from 2 to 7-year-old. There are story telling on a weekly basis. There are crafts. And for adults, there are also workshops throughout the next couple of months. Il va y avoir l'inauguration de la Bibliothèque des Semences. There will be a workshop on where does la tourtière, l'histoire de la tourtière, le Japon. Écoutez, la programmation est vraiment exceptionnelle. Je vous invite à vous renseigner and to register for some of those activities. Have a good night. Merci beaucoup. Alors, une petite annonce. Désolé que Maya Chamas ne serait pas disponible d'être avec nous autres ce soir. On le souhaite un retour bientôt. Merci. Alors, bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. Good evening, and thank you for spending your time with us tonight. Les quartiers sportifs et communautaires, long awaited. Depuis la dernière séance du conseil, nous avons continué à avancer dans le dossier du quartier sportif et communautaire suite à la clôture de la date du sondage et des commentaires. Nous avons eu une bonne participation. Près de 600 répondants, anglais, français confondus. Je profite de l'occasion pour remercier tous les répondants. Thank you to all of you who took the time to participate in the survey or who sent us an email via our dedicated email address. Tous les commentaires ont été lus
et seront analysées. The survey results have clearly shown that townies want a new sports and community center. The time factor in seeing the project come to fruition is a concern, and we see that for some, the differences between the previous project and the one this council is putting forth are not clear. These issues will be addressed. Nous avons reçu le rapport préliminaire du consultant et prévoyons déposer le rapport dans sa version finale lors de la séance de conseil d'avril. Council members are continuing their discussions and evaluations of the various options and next steps to bring this long-awaited project to fruition. Nous nous engageons à améliorer nos communications et de prendre des mesures pour vous tenir au courant de l'avancement du dossier. Nous planifions des capsules vidéo, la distribution porte-à-porte de cartons explicatifs, ainsi que des updates réguliers dans notre infolettre et lors des séances de conseil. Le printemps arrive, finalement. Le printemps, nous espérons, est à nos portes. Et par conséquent, nos équipes d'employés travaux publics vont commencer le nettoyage de printemps ainsi que la préparation de nids de poules. With anxiously awaited spring around the corner, children will be out playing and riding their bikes, some for the first time. I remind everyone to please be careful on our roads and especially around parks and schools. Sur cette note, je suis content de vous informer que nous entreprendrons des études de circulation aux abords de nos écoles afin de mettre en place des actions pour améliorer et augmenter la sécurité. Now a little note about council meetings and decorum. As you've noticed, I've listened patiently and even have extended question period in the spirit of accommodating a long queue of residents who were apparently in line to ask their questions. Malheureusement, plusieurs personnes ont profité de leur temps au micro pour ne pas respecter le temps de 90 secondes alloué pour poser leurs questions et ont plutôt choisi de se faire remarquer, de prononcer des discours et de se comporter généralement dans un comportement agressif inacceptable envers moi-même et le conseil. The question period is just that, a question period, not an interrogation of the mayor and council, not an opportunity to give a speech or grandstand. It is a period to hear out residents' calm questions. And yes, it's important that calm voices who have questions to be heard and that those same residents should not feel intimidated by the actions of others. J'ai reçu plusieurs messages de résidents qui se sentent incommodés et troublés par leur emportement et le comportement de certains participants et assistants à la réunion et sont par conséquent moins encouragés à y assister. Nous veillerons à ce qu'un décorum approprié soit maintenu de toutes les réunions du Conseil et dans l'intérêt de tous, de tous les résidents de Ville-Mont-Royal, en particulier la majorité silencieuse. Les règlements administratifs et les règles sont claires, et je vais répondre aux questions qui sont claires et au point. I can only say that I look forward to questions from residents of our community who wish to respect the 90-second question time allocated to them for a preamble and a question, and I'll be more than pleased to respond to the best of my ability. Anything else not respecting the bylaws and rules will go unanswered. And now I'd like to take this opportunity to wish the TMR community of Jewish faith a happy Passover. Je vous souhaite une bonne réunion et joyeuse Pâques. Happy Easter, and once again, thank you for joining us. Et avec ça, on commence notre réunion avec l'adoption de l'ordre du jour.
Oui, il est proposé au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 21 mars 2003, et ce, sous réserve d'ajouter le point 26.1 qui est intitulé « Renouvellement de contrat pour la cueillette, le transport et le dépôt des valeurs ». Merci. Je propose. Merci. L'appui. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Alors, il y en a un. Bon, à l'unanimité, merci beaucoup. Oui. Monsieur le maire, j'aimerais ajouter une modification dans l'ordre du jour. C'est parce que là, on l'a voté. Là. On a voté pour ajouter le point 6.26. On a voté sur l'adoption de l'ordre du jour. On vient de voter. On vient de voter sur l'ordre du jour à l'unanimité. Moi, j'ai pensé qu'on vote une fois pour ajout et une fois pour l'ordre du jour. Non, mais la proposition principale qui était sur la table, c'était l'ordre du jour plus le point 26.1. Donc, est-ce qu'on... Alors, moi, j'ai mal compris. Est-ce qu'on peut... C'était clair. Faire une... Donc, je comprends que vous vouliez faire une proposition d'amendement, mais il aurait fallu le faire avant le vote. Exactement. Il y a eu un vote. Exact. Je vais ajouter un point dans l'ordre du jour. Ben, normalement, il y a déjà eu... L'ordre du jour a été déjà voté à l'unanimité. En effet, vous avez voté pour l'ordre du jour. Oui, j'ai mal compris parce que j'ai... Oui, mais il faut qu'on continue avec le processus. Ça, c'est les règlements d'une ordre d'une assemblée générale. Ce n'est pas de changer par après. Sinon, on perd un peu de contrôle sur les procédures et les processus de nos règlements d'ordre du jour. Alors, on va continuer avec l'agenda. Merci. Alors, on passe à le prochain item. Et avant d'ouvrir la période de questions publiques, j'aimerais rappeler les résidents des règlements qui existent à Ville-Mont-Royal, des règlements établis par Ville-Mont-Royal et le MAMACH, ministère des Affaires municipales. Et notre règlement, c'est numéro 1438, sur la régie interne du Conseil. Je ne vais pas lire tout le règlement, c'est assez long, mais je vais vous donner un peu de contexte dans lequel vous avez, quels sont vos droits ici pendant la période de questions. Une personne peut se présenter qu'une seule fois à chaque période de questions. A person may ask only one question and one sub-question. Une personne peut faire un court préambule pour la situer la question dans son contexte. Et tout ça pendant une période de 90 secondes. A person must ask a brief, clear question that includes only the words necessary to obtain the information requested, again within 90 seconds. Une personne doit limiter son intervention à la question qu'elle attend poser. Et finalement, une personne doit éviter les allusions personnelles, les insinuations, les paroles violentes, blessantes ou irrespectueuses à l'égard de ce qui se soit. Alors avec ça, on va ouvrir la période de questions. Et comme j'ai dit, 90 secondes, l'horloge va commencer, le micro est coupé après 90 secondes. Merci beaucoup. Good evening, Mr. Mayor and Council. Romana Rogoshevska, 120 Balfour Avenue. I don't come with a fan club, but I echo the voices of many property owners like myself. I've been on many town committees over a number of decades, it seems, three administrations, and I've never seen such discord. My question pertains to the agglomeration committee. Montreal is basically treating us like a cash cow, quote unquote, refusing to change the system of how we share the costs, which are growing. Mayor Plante keeps talking about sitting down to negotiate, but nothing's happening. There are no long-term solutions. How do you plan, as part of one of the demerged communities, to get something going? Finally. Okay, otherwise, why don't we go back to being with Montreal?
something that's not popular, I'm sure. But go ahead, please. Thank you for your question. So just to correct the status of negotiations with the City of Montreal, whatever you may read in the newspapers about Mayor Plante's position, if you read it in the newspapers, I don't know where you got that information, but it's not accurate, what you just stated. We are, as a matter of fact, as a group of demerged municipalities, currently in negotiations with the treasurer, of, with the elected member who drives the finances for the City of Montreal, Dominique Olivier, and we are making some serious progress in terms of changing and modifying the methodology of calculation of what fair share should be downloaded onto the demerged municipalities. So that is currently ongoing right now. It's a long process. It's a difficult process. As you well know, the City of Montreal has extraordinary levels of debt and deficits. And clearly, there's more than just the City of Montreal that comes to play here. There's also the Quebec government that needs to find other ways of allowing municipalities to have other sources of revenue or be supported by the Quebec government, because we are at our ends in terms of finding ways to support ourselves through municipal taxes, which is our only form of revenue, municipal taxes and transfer taxes and things like that, you know? So that's basically it. So these negotiations are ongoing. It's not going to happen overnight, but at least the opening has happened after several years of things being stopped. Yes, after several years. So I hope that we see some progress soon. We are working on it. Okay, thank you. It is our objective. You're welcome. Yeah. Sergio 1011 McNaughton. I'm sorry, could you repeat your name, please? Sergio 1011 McNaughton Street. Jermaine McNaughton. I have two questions, maybe a question and a sub-question, like you said before. Is there an intention from the mayor and our council, or the council, to have in the new urban planning the possibility for developers to build multi-unit residential buildings right behind or attached to the yards of single-family residences? So that's my first question, and my sub-question that's related. Can the city put up on a web, on a, can the city put up a page on its website that informs the residents of the current and evolving status of St. Peter's Church, all that's happening, so that the residents can be informed? It would be in the interest of communication and transparency. Okay, I can answer. I'll do the best I can to answer both questions. Regarding your first question regarding urban planning and development, we are, as a council, going to be meeting and reviewing and revising, or updating, I should say, the current urban plan that the town is operating under. The urban plan is dated 2017. It's an excellent urban plan that was prepared by the previous council and administration that worked on it. And what we've decided to do, and we're blessed by having an urban planner and an architect on our council here, who've reviewed the current urban plan, and we have, you know, certainly the knowledge and the legacy knowledge of administrative officials who've worked on it as well. That plan is going to be updated to create a fair and balanced approach to future developments in our community. So we don't want to find ourselves in a situation where we just do spot zoning. We want to find ourselves in a situation where we've taken the complete picture of Town of Mount Royal into consideration for any zoning changes that may take place within our community. So our objective is really to have that plan completed, I guess, within the next couple of months. J'espère, dans les deux prochains mois au moins, complété. On va travailler très fort là-dessus, comme équipe. So we want to take everything into consideration. Whether it includes multi-res or not, I think it's important for all residents to understand something. We want to keep taxes low in our community, and we have facilities in our community where potential multi-reses can provide a benefit to the community. And I just want to provide, I want to zoom out and give some perspective. You can have multi-res
developments take place as you have in the Golden Triangle off of Jean Talon and Lucerne, or not, no further than Lucerne, De La Savannah, a little bit further, I forget, Victoria, Jean Talon, Victoria, and Decarie, et cetera. And if you notice in those areas, the traffic congestion, if a concern about traffic is an issue, is no greater than it was before, and traffic studies have been done that evidence that from the city of Montreal. The other benefit sometimes of having developments in a community is that it provides for those residences who are seniors and want to move out of their home but still remain in their community and benefit from the familiarity of their community, a place for them to go to. And I'm not talking about seniors' residences, I'm talking about autonomous people who want to have their own place but downsize. And this way they can still remain with their friends and family members and all that stuff, which I think is important to them for their mental health and for their welfare and for their habits. And thirdly, what multi-res or these types of developments do is they also provide an additional tax base for the community to help support and mitigate some of the tax increases that we've seen that have been drastic this year. So to answer your question, it should be a consideration, and this is what we're going to discuss in council. Ultimately, it's not a single voice and a single vote that makes that decision. It's a collective vote of facts and knowledge from people that make that decision together in a complete plan. With regards to St. Peter's Church, we announced last month that we found out, we found it indirectly, that St. Peter's was finally, the transaction on St. Peter's was completed. We have no news, we have no application for permits, for changes, for zoning changes. We haven't got any news to announce on St. Peter's Church. In terms of posting projects or potential projects on our website, I think you can only post something that council has pronounced themselves on. And we haven't pronounced ourselves on anything because we haven't had anything to pronounce ourselves on. So I can't give you the assurance that something will be posted on our website when we don't have anything to post. Hi, London, 626 Powell. I've been a resident of TMR for 45 years. And overall, I'm very satisfied with how the council has been taking care of the town. Up until about 3 years ago, when came the Christmas holidays, the town had adopted a principle of having Christmas trees lit up out front and also having the Hanukkah menorah out front. And then 3 years ago, they stopped doing both. And then afterwards, I think it was last year, they brought back the Christmas tree. I'd like to ask, would the town adopt a policy that any religious group that has a holiday of some kind that would like to put up a symbol that it would be accepted so long as the symbol is not dangerous to anybody? I believe, thank you for your question. This decision by the town in the past was really to become religiously agnostic in anything. And a Christmas tree is not a religious symbol of any faith. It's an evidence of creation with lights, et cetera, on it. And I think it was a wise decision that was made by the previous council. And I think that people who wish to celebrate their respective holidays, depending on their culture, their religion, their beliefs, their faiths, can always do so. The town needs to be very neutral. We need to be very, as I mentioned earlier, agnostic in our, I guess, support of religious activities. I think it depends
If somebody says, well, we want to have a celebration at Town Hall and we'd like to rent Town Hall and have something and put a symbol outside to welcome that particular, that's another thing because it's a one-off event. But to actually start presenting having public displays of any religious symbols for any religious faiths becomes challenging and difficult because there are many religious faiths, as you know, in this world, many of them. And I think the decision to remain neutral in that regard, I think, was a wise one. I understand your attempt, but I think the interpretation of a Christmas tree is not a religious symbol, I think, is wrong. I think it is a religious symbol that is used in the Christian world. And therefore, either we adopt it and adopt letting other religions have a symbol, that long as it's not dangerous to anybody, be there if they wish, or have no symbols, period. Oh, I'm not looking to favor any group over anything. Okay, so that's what I think. Perfect, well, thank you. Just a small suggestion on item number 7 that's on the agenda. That has to do with having a parking ticketing system from the City of Montreal. I suggest anything that involves working with the City of Montreal should be cease and desist before even setting it up. Perfect, thank you very much. Good evening. Good evening. My name is Henry Rossi. I represent the Rossi family. Not the Rossi family that contributed to make your underground parking. We own 5 buildings, apartment buildings in town of Mount Royal. And I guess you know where we're heading with this conversation. You've increased our taxes 47%. Montreal, we have some properties in Montreal, they only increased us 6%, 6 to 7%. I live on the West Island, they increased me 11%. Now, it's not, listen, we're gonna pass on the increases to the tenants. We will be getting 10 to 12% increase from the tenants. Half of the buildings are contesting the increase, which will go to the rental board, and they will have to pay an application fee of $78 because we will win our case. Outside the middle gentleman, he lives on Brittany Avenue. He said his whole building is contesting the taxes. Mr. Mayor, you said you did not make a compact, what do you call that? Your impact study of the implication. Our offices and our garage, we are contractors, we're on Parry Avenue. Our taxes on Parry were increased 4.4%. How can you justify increasing apartment buildings 47%? Thank you, Mr. Rossi. First of all, it is your choice, as you know, to pass on the increase to your tenants. You asked the question, I'm answering you. I know real estate. I understand the impact is extremely significant for you. What we did in our budget, we had to, and again, I'm going to explain to you what had to be done. We have to look at the totality of the municipality, not just one area. You are a property owner. You are running a business. Many businesses have suffered considerably during these inflationary times and high interest times. Many areas have seen significant increases in their operating expenditures. And many people, as you are probably well aware when you read the news, have lost their jobs. And I think that's really terrible. We had to take into account the totality of our municipality and all of the taxpayers. The benefit that you get being a property owner of a multiplex, contrary to residential owners, single family or semi-detached, et cetera,
is they cannot deduct their expenses. They cannot deduct their taxes. They cannot deduct their school taxes. I'm not making justifications, but I'm just bringing the facts forward. And we had to decide as a council, there had been going on for many, many years that the multiplex owners were benefiting of the same rate as the residential owners, which is the base rate. We had to decide and we had to balance our budget, and we chose to avail ourselves to what was available under the law, which is the multiplier factor, which we use for commercial, industrial, and vacant lands. And that factor was available to help us balance our budget, because otherwise we would have had to dip into our reserves at the expense of all taxpayers of TMR to compensate for what we felt was a path forward in our budgeting process. We decided to make that decision as a council after long deliberations, and we understand that it's a challenge for you. But there's sometimes in any business, you have good years, you have bad years. There have been years, I did my own impact study, Mr. Rossi, and I went back 10 years on all the property owners. Your property as well, the value of your property 10 years ago, the value of your property today, the benefit that is attributed to your property, the amount of taxes that you paid over 10 years, the cumulative average growth rate of taxes that you've paid on your properties, all sixplex owners and more, over 10 years, the cumulative average growth rate, I don't know if you've done this study, but I did it, over 10 years, including 2023, was 5.4% for an increase in your taxes. Over 10 years, cumulative average growth rate. The cumulative average growth rate of the value of your properties has increased by over 10% over that same period of time. I recognize that it's a hardship sometimes to have to eat increased expenses, but it's a one-off. The valuation factor, the valuation that was handed down to us from the City of Montreal contributed 67% to the cost of that increase, which is very difficult. And 70% of the revenue that comes in the form of taxes, is then passed back to the City of Montreal, 69.68 or whatever it is, so close to 70%. So we had to make a decision, we had to zoom out, we had to look at all of Town of Mount Royal and make a decision that was in the interest of all residents of Town of Mount Royal. So that's... Mr. Rossi, as I said, I understand what the rules are, and it's your follow-up question. I understand the rules, and I understand what has to be done. I understand how you have to make for those tenants who will not accept the increases. You can pass them on, and I understand also that you have to prepare a form. I have all the forms from the TAL. I've gone through the whole thing. I've even called them up. I've asked them for what type of average increases occur. I'm not going to get into the percentage that were shared with me, but they're not as significant as tenants may believe. I think it's a choice that you need to make between yourself and your tenants as to how you want to manage your property going forward with this, and whether you, how much of an increase you can pass on, how much they will accept. As you know, those are I do understand that, but I do understand, and I do respect that. But I do understand also that real estate is a long game. And there are many times, and I've spoken to many people, and I think we'll bring this to an end now. There are many times, I know I have many associates who are substantial property owners and own thousands of doors. And they've said to me, sometimes they buy multiplex buildings and they don't make a cent for 6 years, but where they get their uplift is when they sell their properties. That's what they look for. So that's what they were telling me. So I do understand it. I know it's tough. I think you can work with your tenants if you like your tenants. And I think that's the... I understand that. It is a business, that's right. Thank you.
Parfait. Je m'appelle Karine Joly. J'habite au 1030 Boulevard Graham, appartement 5, donc je suis une locataire. 1030 où? Pardon? Oh, Graham, merci. Oui, 1030 Graham. Mm-hmm. Alors, je suis une locataire depuis plusieurs années et dans la situation économique actuelle, je m'attendais à avoir une hausse d'augmentation plus substantielle que par les années précédentes. Par les années précédentes, c'était toujours une augmentation de 10 $. Maintenant, cette augmentation, cette année, a été multipliée par 10. Mon loyer a augmenté de 100 $. Maintenant, indépendamment des moyens financiers de chacun, comment vous pouvez me faire accepter une augmentation de si grande? C'est ça que j'aimerais savoir. Parfait. Alors, Madame Joly, pour répondre à votre question, comme j'ai mentionné, et si vous connaissez la loi, ou si vous avez contacté la TAL, et puis ainsi, nous avons sur notre site web qui fait partie de ce qui était préparé par la Ville de Montréal aussi, vous avez des droits. Et vos droits, si vous voulez, vous avez juste, avec l'augmentation que vous avez reçue de votre propriétaire, vous pourrez refuser l'augmentation qui était proposée à vous. Et en faisant ça, en même temps, vous pourriez avoir une discussion avec votre propriétaire, ou bien, au pire, il faut aller devant le TAL pour avoir une discussion. C'est tout. Et le TAL va prendre des décisions, c'est sûr, là-dessus. Et je sais que ça arrive souvent, peut-être ça vous est jamais arrivé, qu'il fallait aller devant le tribunal administratif de locatif de la Ville de Montréal, mais c'est vos droits. Je m'excuse, mais ce n'était pas ma question. Ma question était comment vous me justifiez à moi de cette augmentation-là? Parce que je ne justifie pas. Je vais répondre à votre question. Oui, je ne justifie pas. Je ne veux pas savoir les moyens. Je les ai lus. Les moyens, c'est pas. Parfait. Je ne justifie pas l'augmentation parce que je ne suis pas en contrôle de cette augmentation. L'augmentation était passée du propriétaire à vous. Ça, c'est entre vous puis le propriétaire. Oui, mais l'augmentation vient de la hausse substantielle vient de vous et de votre conseil d'administration. Elle est passée au propriétaire en un montant très substantiel au lieu d'un montant graduel sur 3 ans. Oui. OK? C'est facile de remettre la responsabilité au propriétaire et au locataire de se, excusez l'expression, démerder avec le problème. Mais vous avez des responsabilités envers les citoyens aussi. Et tantôt, vous avez fait mention avec monsieur, avant que vous avez examiné toutes les options possibles et que vous avez sélectionné cette option-là dans le meilleur intérêt de tous les citoyens. Par contre, je m'excuse, j'ai fait la sous-question et ça sera tout. Mon immeuble a 14 unités. Maintenant, il est porté à mon attention que les propriétaires de condominiums, okay, qui habitent des immeubles de plus de 6 unités, n'ont pas à partager ce fardeau. Alors, j'ai déjà eu un condominium ici. Okay. Maintenant, je veux savoir comment je peux considérer ça équitable? Parce que des propriétaires de condominiums, des condominiums sont divisés. Ça veut dire que c'est comme des propriétaires de maisons. C'est très simple. Et c'est pourquoi ils sont dans cette catégorie. Les propriétaires coop ne sont pas dans cette catégorie. Ils sont dans la même catégorie des 6 logements et plus. Alors, je m'excuse, mais vous avez demandé. Alors, ça, c'est la réponse. Merci. Oui. Il faudrait jamais dire. On est à combien? Quelle est la période? 30 minutes? OK, merci. Oui, bonjour. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Abdallah Dakouche. J'habite à 1600. M'excuse, pouvez-vous répéter plus lentement? Lentement? Oui, votre nom. Dakouche, D-A-K-H-O-U-C-H. D-A-K-O-U-C-H. Merci.
J'habite au 1601, appartement 3. Quelle rue? Graham. Pardon? Graham. Oh, merci. Ok, je vais être, comme la dame l'a parlé, c'est la même question, mais je ne vais pas répéter la même chose. Non. Ma question, ça va être courte et simple. Si. Qu'est-ce que vous allez faire pour, c'est-à-dire remédier à ce problème? Parce que ça tombe sur nos épaules. C'est-à-dire, ces taxes-là qui sont vraiment énormes. C'est-à-dire, le loyer a monté énormément, comme il a dit, 10 fois par rapport à ce qu'on paye aux années précédentes. Alors, j'aimerais bien que vous allez faire quelque chose pour que vous ajoutiez pas les choses qui sont déjà partout, n'importe où. Vous savez de quoi je parle, c'est-à-dire les surcharges de tout. C'est-à-dire là où tu vas maintenant, tout monte aussi, il ne veut plus descendre en bas. Quand il parle de l'inflation, il parle de tout. En tout cas, j'aimerais bien, comme tu me dises, que vous allez faire pour que vous puissiez, c'est-à-dire... Se soulager de ce problème, parce qu'on ne peut pas payer ce montant très, 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 très haut, 100 dollars et 130. Moi, il m'a proposé 130. La dame, il a 100, mais en tout cas, si. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui arrive, en effet, c'est que, comme j'ai expliqué à la madame Jolie, je crois, c'est que c'est un choix entre vous et le propriétaire. Et il faut que je vous informe. Il y avait des années, j'ai fait une étude, il y avait des années où il y avait eu une baisse de taxes dans les appartements. 2014, 2016, une baisse de taxes. Je ne sais pas si les propriétaires, pendant ces années, ont baissé les loyers pour les locataires. Alors, il faut être clair, il y a des années où il y a des baisses de taxes, il y a des années où il y a des augmentations de taxes. Ou s'il y a des augmentations de loyers. Mais c'est pourquoi il y a un tribunal administratif de locataires qui existe pour protéger les intérêts des locataires. Et la seule affaire que je peux vous dire, on a de l'information sur notre site web, il y a de l'information sur le site de la Ville de Montréal sur laquelle vous pourriez vous fier pour avoir une réponse, pour avoir une discussion avec votre propriétaire, pour avoir une augmentation qui est saine, qui est acceptable pour vous. Et c'est la meilleure manière de procéder. Parce que quand le propriétaire va vendre son appartement, est-ce qu'il va partager ses profits avec vous? Je ne crois pas. Alors, c'est pourquoi je vous dis, c'est important que vous compreniez, vous avez des droits, et c'est entre vous et le propriétaire. On n'est pas là pour viser des propriétaires, on était là vraiment pour continuer tous les services et les raisons pourquoi vous vous avez déménagé et venu ici à Ville-Mont-Royal. On donne des services, on a des écoles, on donne des bonnes institutions, alors c'est tout ça. Alors il faut continuer ça et il fallait qu'on prenne tout ça en considération quand on a préparé notre budget ici à Ville-Mont-Royal. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Alors, on passe à l'ordre du jour, s'il vous plaît. Mr. Scardero, how are you? I have a question. Please take a seat. Absolutely. What I just heard... What's that? Name and address. Could I have your name and address, please? Yeah. I just want to follow up on two issues that you said to the people that are here. Is when we sell the properties, we make a profit, and we don't share the profit, which I don't know why you would have said that. Number two, you're telling the tenants to basically go back and fight at the régie against the landlord. What you're creating is a mess. That's all I want to say. But... the way you're doing it, you should have done, like I own businesses everywhere. The point of this, you should have bring up the taxes slowly. Not 45, 30%, 45%. But the way you're doing it,
I don't think people are happy at all. I'm a businessman. I never went bankrupt. I would like to ask you one question. Don't you think what you're doing is totally unfair for the people that live in the apartments and they have to go to Le Regis to fight for $100? And then telling them that, oh, when the owners sell multi-million dollar apartments, do they share the profit with you? You see, your pattern is different. You like to put people against each other, which is not fair. And the only thing is, did Sajo's taxes increase or not? That's what I need to know. Did Sajo's taxes increase by 47%? We looked it up. It didn't increase 47%. Why? What formula did you use, Sajo's versus? So, Mr. Scardera, yes, I will answer you, and I want to be on the record about this. You can stay or leave, whatever it is. But the answer is the following. I made a comment regarding the availability of resources for tenants. I think it's important that tenants know their rights. I think it's fair for the landlords to do so. We balanced our budget in accordance with the interest of the majority of residents of Town of Mount Royal. Monsieur. Oui. Yeah. Je m'excuse votre nom, s'il vous plaît. My name is Albert Johannen. I am 45 Brittany TMR, apartment building. You raised the taxes and they raised our rent by $120 a month. Do you ever think of the human part of it? We have people with three children in the building. They hardly can afford to pay the rent, okay? They hardly can pay the $100 extra. They're going to Regie and fight that, okay? They're gonna force the owner to pay $250 to Regie. We have 60 apartments in the building and the next 120. You count how much gonna cost the owner to fight this. He's not gonna get it at the end. People are gonna demonstrate outside. It's not fair at all, raising so much for people that they can't afford it to move. The schools are here. The children's schools are here. That's what they are here for. They hardly can make it. Some people coming from long way from here, from abroad, trying to live here. They cannot do it. You have to see the human factor on this. You're not looking at the human factor. You're only looking at the money. The human factor is important when you raise rent so much. May I ask you for your question, please? Yeah, go ahead. What is your question? I'm sorry? What is your question? My question is, why are you raising the taxes so much? I've answered the question. Yeah, I will answer you right now. I've explained it to you because it's a question, it's a balance, and we have to zoom out from multiplex owners to the whole, all the residents of Town of Mount Royal, all the property owners of Town of Mount Royal. We have raised them, however, we're not there to penalize or target any particular group in particular. And as far as the tenants are concerned, yes, you do have rights, but the landlords at the same time, if they don't wish to go, I mean, I don't have to do the math. I know what the math is to do it. I know exactly, and I consider the human factor. And that's why we have on our website that you do have rights, yes, before a rental board. But the landlords can also consider and say, you know what, this is gonna be a tough year for us. Maybe we're not gonna make as much money this year, so maybe we shouldn't raise the rents as much as we should on the tenants. I mean, sometimes they have a benefit and they continue to receive rent year after year after year. And so it is not our decision to how much they raise the rent, it is a landlord's decision for how much they raise the rent. There is no obligation on the part of the landlord and no obligation on the part of the tenant, number one, no obligation on the part of the landlord to increase the rent excessively, and no obligation on the part of the tenant to accept an excessively increased rent. I understand that, but I cannot get Mr. I understand, Mr. Albert.
It is manageable. Mr. Albert, and I think that's the end of the question. You asked your question. Now you're making a political statement. I think it's time to stop. Thank you. Thank you. This will bring an end. Dernière question. Merci beaucoup. Merci. Allez-y. Écoutez, je veux juste corroborer avec les messieurs, les gens avant moi. Je veux aussi dire que dans votre ville, vous savez que vous avez un tiers de la population, presque un tiers de la population, qui est locataire. Donc, tous ces gens-là, ça, j'ai des chiffres ici de l'Observatoire du Grand Montréal. Ce n'est pas moi qui ai fait une évaluation moi-même. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a un tiers de la population qui est locataire dans votre ville. Et que c'est des gens qui ont effectivement moins de sous et qui vont se retrouver avec une part de la taxe à payer. Oui, ils peuvent aller au tribunal administratif. Oui, on va leur expliquer tout. Ce n'est pas nécessaire que vous ayez mis sur votre site, mais je comprends que vous l'ayez fait. Parce que de toute façon, les gens ici sont extrêmement bien informés sur la chose. Donc, la dernière fois, vous nous avez dit que vous alliez faire des vérifications puis de voir qu'est-ce que vous pouviez faire. Là, vous ne nous parlez pas de ça, vous parlez beaucoup d'autres choses, mais c'est ma question. La dernière fois, vous nous avez dit que vous alliez faire des vérifications, voir comment vous pouviez aider les gens. Et moi, je suis venue ici avec ce côté positif, avec une ouverture d'esprit, avec un objet de travailler ensemble pour faire que notre société ici, à Ville-Montréal, soit plus juste, que les gens aient une taxe qui est juste aussi. Et donc, ma question est celle-ci. Qu'est-ce que vous avez ou vous pouvez faire cette année ou l'année prochaine? Pour le moment, on a vérifié tout ce qu'on peut faire. Cette année, on ne peut rien faire concernant le budget et on ne peut pas modifier les taxes. Point final, c'est établi comme ça, selon la loi. Qu'est-ce qu'on peut faire l'année prochaine? Comme on vous a expliqué dans nos deux rencontres, l'année prochaine, on va revoir qu'est-ce qu'on peut faire et on va évaluer ça. Mais je veux être clair là-dessus. Oui, vous venez ici. Oui, il y a des locataires qui viennent ici, qui disent « Oh, on ne peut pas supporter ». Et je comprends entièrement le facteur humain que le monsieur vient de présenter. Mais en même temps, quand vous avez une entreprise, ce n'est pas toutes les entreprises qui font des profits d'une année à l'autre. Ce n'est pas toutes les entreprises qui vont faire une grande profit d'une année à l'autre. Ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on peut dire quand il faut congédier plusieurs employés dans une entreprise? Parce que c'est ça ce qui arrive à travers le monde. Et on n'est pas seul. Et c'est ça ce qui arrive. Et des fois, on ne reçoit pas de paye. Ça m'est arrivé dans mes entreprises. Il y a des années que je n'ai pas été payé. Alors, qu'est-ce que je dis? Je me plaigne à qui? J'ai à personne à me plaigner. Il faut que je travaille plus fort des fois. Oui, il y a des facteurs externes qui nous impactent. Mais il fallait qu'on balance un budget pour la ville de Montréal, pour tous les résidents de Montréal. Je comprends, vous avez mentionné, il y a un tiers qui sont des locataires. Mais vous êtes, comme vous le savez, Mme Desjardins, sous aucune obligation d'augmenter des loyers d'une manière très élevée pour vos locataires, si ça vous concerne. C'est une année et l'année prochaine, on va voir où est-ce qu'on va tomber avec nos budgets. Oui, bref. Très bref, je veux juste vous dire, puis dire à mes locataires ici que l'année prochaine, si vous baissez les taxes, le taux d'imposition, puis que ça va faire une modification en la négative sur les loyers, ils seront aussi, les loyers seront baissés en conséquence. Parfait, merci. Ça, c'est notre bonne foi. Parfait. Merci beaucoup, Mme Desjardins. Alors, avec ça, on passe à l'ordre du jour. On
On passe à la résolution adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 février 2023. Merci. Attendu que copie du procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 février 2023 du Conseil municipal ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé au Conseil d'adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 février 2023 du Conseil municipal de Ville-Mont-Royal. Je propose la résolution. J'appuie. Merci beaucoup et je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Numéro 5, dépôt des documents. Monsieur le greffier. Donc, ce soir, nous déposons la liste des commandes de moins de 20 000 $, la liste des commandes de moins de 50 000 $, la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et des directs, un rapport du service des ressources humaines, la liste des permis et certificats, et finalement, le rapport d'activité de la trésorière relativement aux élections et référendums. Merci beaucoup. Alors, on passe à... prochain item, c'est implementation of the Bixie network in Town of Mount Royal, phase 4. Whereas it is planned in the urban plan to improve the bicycle network and to link it to the Montreal network, whereas the Bixie Montreal will manage the network on TMR territory and the town will own the 6 stations, whereas the initial management agreement approved by council on May 13, 2019, we propose to council to authorize an expense of $73,100.36, taxes included for the purchase of a new 6th Bixie station, to authorize an expense of $43,055.84, all taxes included for the operating costs of the 6 Bixie stations for the 2023 season, and to authorize a loan of $73,106.36, taxes included from the working fund, and to repay this amount over a period of 5 years, and to charge these expenses to the operating budget and to the working fund, and to authorize the mayor or acting mayor and the town clerk or his assistant to sign for and in the name of the town all documents deemed useful and necessary to give full effect to this resolution. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Et je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Alors là, on passe aux deux items, numéro 7 et numéro 8. Monsieur le greffier. Donc, pour le numéro 7, qui est l'entente municipale concernant l'adhésion au système CICI, il est proposé au Conseil d'autoriser la directrice générale à signer l'entente soumise par la Ville de Montréal aux fins d'adhérer au système d'émission des constats informatisés, CICI, d'autoriser une dépense maximale de $37,000, taxes incluses pour l'acquisition et l'installation des équipements requis pour le bon fonctionnement du système, d'autoriser une dépense récurrente annuelle maximale de $9,000 pour les frais des forfaits de données cellulaires requis par le système et d'imputer les dépenses au budget de fonctionnement 2023. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Continue. Le point 8, qui est le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal. Il est proposé au Conseil de modifier le calendrier 2023 des séances ordinaires du Conseil afin de prévoir que la séance du mois d'avril se tiendra le mardi 25 avril à 19 h plutôt que le 18 avril 2023. Merci. Je propose. Merci. J'appuie la demande. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci. À l'unanimité. Bon, on passe à résolution numéro 9. Approval of work within the MAMASH Primo Program for year 2023. Whereas the Town of Mount Royal has taken note of the guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme d'infrastructure municipale Primo, we submit to Council to respect all the conditions set forth in the guide that applies to the Town of Mount Royal, to agree to pay the share of eligible costs and ongoing operating costs associated with projects included in the Primo program, to assume all inadmissible costs and additional expenses associated with projects included in the Primo program, to approve the work program number 1 within the Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Primo program for the year 2023, to authorize the deposit of the subsidy request for the Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Primo program number 1 and all other documents required by the Minister of Municipal Affairs and Housing required to receive the government contribution, to respect the capital asset minimal threshold in municipal infrastructures fixed at $28 per resident per year of the program, to
inform the ministère des Affaires municipales et de l'habitation of any changes that will be made to the programming as approved by this resolution. Thank you. I move the motion. I second. May I have a vote, please? Pass unanimously. Thank you. Bon, bon, autorisation de dépenses expert en sinistre. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense supplémentaire de 9 000 $ taxes incluses pour les honoraires professionnels de la firme R. Gertin et Associés pour l'année 2022 et d'imputer la dépense dans le budget de fonctionnement 2022. Merci. Je propose. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande un vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Next ratification, confirmation of disbursements for the period of Feb 1 to Feb 28, 2023. We submit to Council to confirm and approve the disbursements for the period between February 1 to February 28, 2023. Payroll, $1,958,319. Suppliers and other payments, $1,855,471. Urban agglomeration of Montreal apportionment, $33,401,959. Water purchase, $782,530. Insurance, $21,808. Financing costs, $24,200. Principal reimbursements on the long-term debt, $1,936,000, for total disbursements of $39,980,287. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. May I have a vote, please? Thank you. Passed unanimously. Bon, prochaine, c'est installation d'une nouvelle solution de sauvegarde pour les serveurs via le courtier InfoNuagique. Avec votre permission, M. le maire, on regrouperait les points 12, 13 et 14 afin d'alléger un peu le... Approuvé. Merci. Donc, on commence par le point 12. Attendu que, conformément à l'article 573.3.2 de la loi sur les cités et villes, toute municipalité peut se procurer tout bien meuble ou tout service auprès du Centre d'acquisition gouvernementale, donc le CAG, ou selon le cas auprès du ministre de la cybersécurité et du numérique ou par leur entremise. Attendu que toute municipalité peut conclure un contrat de gré à gré avec tout fournisseur ou prestataire de services InfoNuagique qui est parti à une entente cadre conclue avec le ministre de la cybersécurité et du numérique si les conditions suivantes sont remplies. Condition 1. Le contrat porte sur un bien ou un service visé par l'entente cadre. Condition 2, la durée du contrat, incluant tous les renouvellements, n'excède pas 3 ans. Condition 3, le fournisseur ou le prestataire de services retenu est celui dont l'offre est la plus avantageuse selon le prix du contrat ou selon tout autre critère en lien avec l'objet du contrat, tel la compatibilité technologique, l'accessibilité des biens ou des services, la performance ou l'assistance technique. Quatrième condition, les biens et les services visés par l'entente cadre tiennent compte des critères de sécurité, de niveau de service et de conformité applicables. Attendu que Ville-Mont-Royal respecte toutes ces conditions. Donc, pour le point 12, il est proposé d'autoriser une dépense de 152 266,61 taxes incluses, pour l'implantation d'une solution de sauvegarde comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant. D'accorder le contrat numéro 1 pour l'acquisition de solutions de sauvegarde à ITI au prix unitaire et forfaitaire listé au catalogue du Centre d'acquisition gouvernementale, au CAG, courtier InfoNuagique, soit au prix total de 99 520,66 taxes incluses, le tout conformément au document de l'entente cadre conclu par le CAG. De verser pour le contrat numéro 2 au CAG/courtier la somme de $2,985,62 taxes incluses, constituant les frais de gestion pour le courtage en approvisionnement. Et d'autoriser la directrice générale ou le greffier à signer au nom de la Ville tous les documents donnant effet à la présente résolution et d'imputer les dépenses au budget, au règlement d'emprunt numéro E-23E-2306. Ça, c'était pour le point 12. Pour le point 13, qui est l'achat de 2 serveurs, le contrat proposé est d'autoriser une dépense de 156 000, taxes incluses, pour l'achat de 2 serveurs, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant. D'accorder le contrat pour l'acquisition des 2 serveurs et accessoires à IT2GO, au prix unitaire listé au catalogue du CAG, soit au prix total de $141,967,41, le tout conformément au document de l'entente cadre conclu avec le CAG, d'autoriser la directrice générale ou le greffier à signer, au nom de la Ville, tous les documents donnant effet à la présente résolution et d'imputer les dépenses dans le règlement d'emprunt E-2306.
Et finalement, pour le renouvellement de Microsoft 365, il proposait d'autoriser une dépense de 313 203,85 taxes incluses pour le nouveau contrat Microsoft 365 qui inclut Exchange Online P2, EMS E3 et Defender O365P1, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'accorder le contrat numéro 1 pour l'acquisition d'un nouveau contrat de Microsoft 365 à Soft Choice Corporation au prix unitaire et forfaitaire listé au catalogue du Centre d'acquisition gouvernementale Courtier Infonuagique, soit au prix de 256 293,07 taxes incluses, le tout conformément aux documents de l'entente cadre conclue avec le CAG. De verser pour le contrat numéro 2 au CAG Courtier la somme de 5 503,02 taxes incluses, constituant les frais de gestion pour le courtage en approvisionnement. D'autoriser la directrice générale ou le greffier à signer au nom de Ville-Mont-Royal tous les documents donnant plein effet à la résolution et d'imputer les dépenses au règlement d'emprunt E-2306. Je propose l'ensemble de ces résolutions. Merci. I second these motions. Excellent. May we have a vote on all three? Much passed unanimously. Thank you. Bon. Upgrade of the email backup solution. We submit to Council to authorize an expense of $49,695.66, taxes included, to upgrade our Barracuda email backup solution, which includes, as needed, all incidental costs, to award the contract to upgrade our Barracuda email backup solution to Insight Canada, Inc., for a total price of $45,695.66, all in accordance with the quotes provided, and to charge the expenses related to this contract to the loan bylaw E2306. Thank you. I move the resolution. Thank you. I second it. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Bon. Collecte et transport des résidus de jardin et alimentaires. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de $245,000 taxes incluses pour la saison 2023-2024 pour la collecte et le transport des résidus de jardin et alimentaires, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant. D'accorder à 90-34-30-32 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de JR Service Sanitaire, renouvellement du contrat C-2021-02, collecte et transport des résidus de jardin alimentaire, du 13 avril 2023 au 10 avril 2024, au montant de $234,584,81, taxes incluses, conformément au document d'appel d'offres, et d'imputer ces dépenses au budget de fonctionnement 2023 et 2024. Merci. Je propose. Merci beaucoup. Je l'appuie. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci. Adopté à l'unanimité. Oh. Cleaning and waste collection in public places. We submit to Council to authorize an expense for the amount of $66,961.44, taxes included, for the year 2023 to cover the weeks between May 1st and October 27th for the cleaning and waste collection in public places, which includes as needed all accessory costs, to award to Service MRO Inc. the contract to undertake these works with the unit prices submitted for the total amount of $66,961.44, taxes included for the above-mentioned period in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract to the operating budget of 2023. Thank you. I move the resolution. Thank you. I second. Thank you. May we have a vote, please? Pass unanimously. Thank you. OK. Renouvellement du contrat de service de gardiennage des bâtiments et installations de la Ville. Oui. Il est proposé au Conseil d'accepter l'option de renouvellement prévue dans la soumission de Neptune Security Services Incorporée pour la fourniture de main-d'œuvre et de matériel pour les services de gardiennage de bâtiments dans le numéro de contrat C-2021-60, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'autoriser une dépense de $81,862,20, taxes incluses, à Neptune Security Services Incorporée pour le renouvellement de ce contrat pour la période du 21 juillet 2023 au 20 juillet 2024, le tout selon les termes et conditions de l'appel d'offres original de juillet 2021. D'autoriser une dépense additionnelle de $12,790,97, taxes incluses, afin de couvrir d'éventuels imprévus et l'ajout d'heures de sécurité au gré de la Ville pendant la durée du contrat. Et finalement, d'imputer les dépenses associées à ce contrat dans les budgets de fonctionnement 2023 et 2024. Merci beaucoup. Je propose la résolution. Oui.
J'appuie. Je demande le vote, s'il vous plaît. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Professional services for Russell Pedestrian Bridge rehab plans and specs. We submit to Council to authorize the expense of $40,635.62, taxes included, for professional service fees in structural engineering for the Russell Pedestrian Bridge rehabilitation plans and specifications. To award to Groupe Conseil CHG Inc. the professional services contract for the fixed amount of $36,941.47, taxes included, and to charge these expenses to loan bylaw E2203 amortized over a 20-year period. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Prochaine, c'est vente et à l'encontre de véhicules et équipements de la ville. Il est proposé au Conseil d'autoriser M. Dave Potvin, contremaître du garage, à signer la convention multicanale avec les encans Ritchie pour la vente de véhicules ou d'équipements non utiles ou désuets. D'autoriser les encans Ritchie à vendre à titre de mandataire les véhicules par une vente à l'encan. Et d'imputer les revenus provenant de la vente des actifs au poste 01-233-40-00 ou 01-234-90-004 selon la nature du bien cédé. Wow, beaucoup de chiffres. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci. Adopté à l'unanimité. Parfait. Bon. Supply and delivery of crushed stone. We submit to Council to authorize an expense for the amount of $93,000, taxes included, for the year 2023 between April 1st and December 31st, 2023 for the supply and delivery of crushed stone, which includes as needed all accessory costs. To authorize an expense in the amount of $31,000, taxes included, for the year 2024 between January 1st and March 31st, 2024 for the supply and delivery of crushed stone, which includes as needed all accessory costs. To award to Lafarge Canada Inc. the contract to undertake this work for the unit prices submitted for a total amount of $112,856.16, taxes included, in accordance with the tendering documents, and to charge these expenditures to the appropriate budgetary numbers of the operating budget 2023, and to keep the appropriate amounts of money in the operating budget of 2024. Thank you. Je propose la résolution. Merci. I second. Thank you. May I have a vote, please? Carried unanimously. Thank you. Bon. Reconduire le projet de cuisine de rue pour la saison 2023. Attendu qu'il y aura 15 soirées de cuisine de rue durant l'été 2023, attendu que le projet de cuisine de rue est jumelé aux activités du service des loisirs et au marché public de Ville-Mont-Royal, attendu que le partenariat avec l'Association des restaurateurs de rue du Québec, il est proposé au Conseil de renouveler le projet de cuisine de rue au Parc Connaught durant l'été 2023, de renouveler le partenariat avec l'Association des restaurateurs de rue du Québec et d'autoriser le greffier ou son adjointe à signer tout document relatif au projet de cuisine de rue pour la saison 2023. Merci. Je propose la résolution. Merci. Je l'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Additional expenses, rehab of water mains using structural cured in-place piping. We submit to Council to authorize an additional expense for the amount of $19,000, taxes included, for the rehabilitation of water mains using structural cured in-place piping. To award Senexen Services Environnementaux Inc. an additional expense under the contract C-2020-25 for the amount of $19,000, which includes, as needed, all accessory costs, and to charge the expenses related to this contract to the loan bylaw E-2004 with an amortization period over 20 years. The subsidy paid by the government under the TEC 2019-2023 program for the repayment for the payment of the investment will be used to reduce the loan. Thank you. Je propose cette résolution. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Adopté à l'unanimité. Merci. Bon, service professionnel pour la rénovation du chalet de parc du parc Mohawk. Donc, il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de $22,000, taxes incluses, pour les services professionnels pour la rénovation du chalet de parc du parc Mohawk,
d'accorder à Pierre Morancy, architecte, soit au montant de 21 845,25 taxes incluses, le mandat de service professionnel pour la réalisation des travaux de la phase 1, conformément au document de soumission, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au règlement d'emprunt E-1903 amorti sur une période de 20 ans. Merci. Je propose la résolution. Merci. Je l'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Adopté à l'unanimité. Merci. Parfait. Professional services for the exterior concrete repairs at the library. We submit to Council to authorize an additional expenditure of $54,000, taxes included, for professional services for the exterior concrete repairs at the library, to award to Nadeau Blondin Lortie Architect Inc. the professional services mandate in architecture for a total of $20,810.48, taxes included, to award to Trepex Inc. the professional services mandate in engineering for a total of $10,663.93, taxes included, to authorize the town manager to award the various contracts required within this project in accordance with town policies and regulations, to authorize the financing of the capital expenditure from the accumulated surplus assigned to investment activities, and to charge these expenditures to the accumulated surplus for a credit of $22,000. Thank you. I move the resolution. Thank you. J'appuie. Merci beaucoup. Demande le vote. Adopté à l'unanimité. Parfait. Bon, service professionnel pour le forage géotechnique et environnementaux. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de $105,000, taxes incluses, pour les services professionnels pour forage géotechnique et environnementaux, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, d'accorder à NG2 Inc. ou Gestenv le contrat numéro C-2023-38A à cette fin, au prix unitaire soumis pour un prix total de $94,917,61, taxes incluses, conformément au document de soumission, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au règlement d'emprunt E-2203 amorti sur une période de 25 ans. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. May I have a vote, please? Pass unanimously. Thank you. Bon. 26,1. Renouvellement de contrat pour la cueillette de transport et les dépôts de valeurs. Merci. Donc, il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de $15,859,79, taxes incluses pour 2023 pour la cueillette, le transport et le dépôt des valeurs. Pour le même contrat, il est proposé d'autoriser une dépense de $21,146,38 en 2024. Toujours pour le même contrat, d'autoriser une dépense de $5,286,60, taxes incluses en 2025. D'accorder à Garda World, société en commandite de transport de valeur Garda, le renouvellement du contrat SMI-2020-11 pour la cueillette, le transport et le dépôt des valeurs au prix unitaire soumis, soit au prix total de $42,292,77 pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2025, conformément au document de l'appel d'offres préparé pour ce contrat, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2023, 2024 et 2025. Merci beaucoup. Je le propose. Merci. J'appuie. Je demande le vote, s'il vous plaît. Parfait. Adopté à l'unanimité. OK. OK. Brace yourselves. Now we have the CCU recommendations. Here we go. We submit to Council to approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on February 23, 2023. Plan number 2115 Trenton for replacement of windows, subject to the following. Ensure that the windows are those indicated on the quote from the manufacturer Verdun Windows and Doors. Plan numéro 3, 417 Berwick pour modification au PIA acceptée, fenêtres en arrière et latérales. Plan numéro 4, 315 Beverly, pour remplacement des portes et fenêtres existantes, agrandissement de certaines ouvertures, réparer la maçonnerie et revêtement existantes. Plan number 5, 815 Plymouth, for low wall in front. Plan number 6, 5720 Ferrier, for expired PIIA application facade modification. Plan numéro 7, 173 Morrison, pour demande de PIA expirée, agrandissement au deuxième étage. Plan number 890 Marlborough, for relocate the main entrance in the front of the house and enlarge the backyard, subject to
to the following. For steel cladding, provide shadow line joints. Steel cladding should be a minimum of 6 inches wide. Plan numéro 9, 590 Carlisle, pour remplacement de la porte d'entrée et des fenêtres en façade avec nouvelle coloration. Plan numéro 10, 447 Grenfell, pour modification au PIA, nouvelle dimension à la fenestration latérale droite. Plan number 13, 258 Morrison, for addition of a vestibule, subject to the following. Provide a new vestibule as per the revised elevation, not as per the color rendering. Suggestion, make sure to install proportionate lighting as it is oversized on the rendering. De refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA ayant fait l'objet d'une recommandation non favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 23 février 2023. Plan numéro 10, 447 Grenfell, pour modification au PIA, nouvelle dimension à la fenestration en façade arrière, non favorable selon les motifs suivants. Le comité considère que cette façade est très visible de la voie publique. La subdivision et les barreaux de teint ne s'intègrent pas. Une nouvelle proposition devra être déposée. Plan number 12, 391 Brookfield, pergola and backyard, not favorable due to the following. The roof does not integrate with the existing one and should be separate as it is not the main body of the building. This roof adds to the weight of the rear façade. The revised design should be made of lighter, structurally feasible materials. It is suggested that the proposed project be revised with a flat roof, the addition of gutters, the creation of a positive slope for better water drainage, or even the addition of French drains to solve the problem raised by the owners. To approve the PIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on March 10, 2023. Plan numéro 1, 30 Jasper, pour modification au PIA, nouvelle coloration des fenêtres de l'agrandissement. Plan numéro 2, 336 Ellerton, pour présentation de l'échantillon de la coloration du revêtement de bois, sous la réserve suivante. Le bois est recevable, mais la coloration est à revoir pour un blanc similaire ou crépi. Plan number 4, 47 Lazard, for PIA modification, subject to the following. The existing side window should be maintained with its stone detail. Plan number 6, 315 Beverly, for modification to the accepted PIA, change of windows and garage door, subject to the following. Everything is accepted except casement windows with false sash, which are not acceptable. Submit a data sheet with the model of the entrance door, which must meet the approved elevation. Plan numéro 8, 533 Algonquin, pour modification au PIA accepté. Nouvelle subdivision des fenêtres, porte d'entrée en avant. Sous les réserves suivantes, la porte d'entrée est recevable. La fenestration, les fenêtres devront avoir 5 panneaux au rez-de-chaussée et au deuxième comme préalablement approuvé. S'assurer que le fascia existant autour du garage demeure blanc. Plan numéro 9, 250 Dunbar, pour rénovation des façades, sous la réserve suivante. La nouvelle marquise est trop imposante. Son épaisseur ne devra pas être plus grande que celle du 246 Dunbar. Plan number 10, 405 Greenock, for modifications to the accepted PIA. New color, modification of the entrance, subject to the following. Submit details of the siding that replaces the sentinels on either side of the front door. Maintain the brick soldier band on the front and continue it on the sides of the vestibule. The new stain, Onyx 7090, is acceptable. Plan numéro 11, 443 Ellerton, pour rénovation des façades, sous la réserve suivante. Projet de porte et fenêtres approuvés, à l'exception des lucarnes à l'arrière. Plan numéro 12, 152 Highfield, pour modification au PIA accepté, nouvelle couleur. L'option 2 est recevable. Plan number 14, 1630 Lucerne, for modification of an opening and rear terrace. To refuse the PIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation of the CCU at its virtual meeting held on March 10, 2023. Plan number 15, 569 Stansted, extension over the garage, replacement of the front door and the garage door, not favorable due to the following. Maintain integration with the semi-detached neighbor and the neighborhood. Previous comment maintained on coloring. It is too dark. The proposed new color is in the same shades as the previous color submitted. Okay, thank you. Je te propose la résolution. Merci. Merci beaucoup. Je demande le vote. Okay, no test after this. Okay. Bon, nomination d'employés permanents en ressources humaines. Oui, il est proposé au Conseil de nommer Mme Isabelle Hackel au poste de coordonnatrice en ressources humaines. Cette nomination entre en vigueur le 17 avril 2023.
et d'accorder à Mme Hakel une rémunération selon la politique de reconnaissance des cadres de la Ville de Mont-Royal à l'échelon 22. Merci beaucoup. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Adopté à l'unanimité. Merci. Bon. New group insurance contract for the period April 1st, 23 until March 31st, 24. Whereas Town of Mount Royal is part of a group of municipalities reconstituted since January 1, 2006, whereas the new insurance contract for the Association of Towns is managed by the Union des Municipalités du Québec and that they approved the contract at their meeting held on February 17, 2023, we submit to Council to accept the terms submitted by the insurance carrier Beneva Assurance for the period between April 1, 2023 and March 31, 2024 for an amount not to exceed $833,039, taxes included, to authorize an expense of $643,529 for the town portion and participant portion for the group insurance contract for 2023, to authorize an expense of $214,510 for the town and participant portion for the group insurance contract for 2024, to authorize the town manager to approve excess expenses related mainly to salary increases or changes to the insurance coverage and such within the financial framework of the budgets adopted by the town in conformity with the dispositions of the bylaws, policies, and procedures of the town, to authorize the town manager or town clerk to sign on behalf of Town of Mount Royal all documents giving effect to these terms, to allocate an expenditure of $523,192 to each department's appropriation of the 2023 operating budget, and to maintain the credits necessary to cover an expenditure of $174,397 for the period from January 1 to March 31, 2024. Thank you. I move the resolution. Thank you. J'appuie. Thank you. May I have a vote, please? Carried unanimously. Thank you. Bon. Rapport sur les décisions prises et orientations du Conseil au Conseil d'agglomération. Attendu que le maire de la ville doit exposer la position qu'il entend prendre sur les sujets inscrits à l'ordre du jour des séances ordinaires du Conseil d'agglomération des 23 mars et 20 avril 2023 et discuter de celle-ci avec les autres membres présents afin d'adopter une résolution établissant l'orientation du Conseil conformément au paragraphe 2 de l'article 61 de la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. Il est proposé au Conseil de mandater le maire ou son représentant à assister aux séances ordinaires du Conseil d'agglomération des 23 mars et 20 avril 2023 afin de prendre toutes les décisions qu'il jugera appropriées sur les dossiers présentés à ces séances en se basant sur l'information qui y sera fournie et ce, dans l'intérêt supérieur de la Ville de Mont-Royal. Merci beaucoup. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci. Bon. Aucune affaire diverse. On passe à la période... Je m'excuse, Monsieur le maire, je vais vous m'attraper, si vous permettez. C'est moi. Je désire déposer une résolution concernant le centre sportif et communautaire. Cette résolution est appuyée et signée par plus que 1000 résidents de Ville-Mont-Royal. Donc, je souhaite le déposer auprès de vous pour... en prendre connaissance et en discuter dans le caucus pour le mois prochain. Si vous voulez déposer une pétition, ça va. Parfait. Vous pouvez le déposer avec monsieur le greffier. Merci. Alors, s'il n'y a aucune affaire diverse, s'il n'y en a pas aucune affaire diverse, alors on passe à la période de questions numéro 2. Paula Killian, 249 Portland. Okay, so agenda item number 16. Collection and transportation of yard trimmings and food residues. So the food residues part in the from November to April, every resident was given a brown bin, and the rest of the year, from April to November, we can use the big green bin for both yard trimmings and food residues.
In my household, with a family of four, the little brown bin for the wintertime is a little small, so we don't really use it that much because it's more a pain in the butt than anything. Does it exist in a bigger size? Is it possible to get a bigger size? Could we in the future look to maybe encourage people to compost more and to increase the capacity at some point? Absolutely. Let me defer to Mrs. Couch because I don't know the answer to that other than getting an extra bin, but go ahead. You can use either bin. Just put out the green bin in the winter, we're not allowed. Yes, you are. Really? Yes. It was changed over a year ago. Oh, I'm so happy to hear that. Thank you. I'm glad I asked. Solution. Thank you. You're welcome. Bonsoir, Vicky Da Silva, 1699 Graham. Je m'excuse, j'ai mal compris votre nom. Vicky Da Silva. Casimiro, mais je vais vous le... Juste Da Silva, ça va être correct pour ce soir. J'aimerais savoir où en sont les discussions entre la ville et la STM, le REM ou l'ARTM pour la remise en service de la navette 919 en l'absence du train de banlieue qui va se prolonger jusqu'à l'automne 2024. OK, parfait. Merci beaucoup. Allez-y, Mme Couch, s'il vous plaît. Merci. Si j'ai bien compris, vous parlez de l'autobus qui était déjà existé auparavant à un moment donné. Qui a été enlevé en janvier. Était enlevé. On a fait des démarches auprès de la STM et la réponse que j'ai eue, c'est que selon eux, la demande n'est pas assez forte et ils ne remettront pas cette ligne. J'avais fait la demande aussi auprès de la STM au printemps 2022, parce qu'un qui l'avait mis, c'était pendant la pandémie, donc évidemment, il n'y avait pas de volume. Mais là, avec le retour des gens au bureau, parce que ça serait peut-être bien de repousser encore de j'ai fait la demande. J'ai fait la demande, madame. J'ai relancé et c'est la réponse qu'on a eue. Et donc, il n'y aura pas de relance d'ici à septembre 2024? Mais pour le moment, j'ai pas eu d'autres réponses de leur part. Okay, donc. Mais... Écoute, je ne sais pas la date de la dernière demande, mais sans contredire Mme Couch, peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est juste revérifier avec la STM, mais ils ne sont pas tellement faciles d'avoir des réponses d'eux autres. Mais on pourrait le faire comme réponse à vous. On va faire une revérification avec la STM pour voir s'il y a une demande pour de repartir le service encore. Merci. Plaisir. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe à lever de la séance. Il est proposé de lever la séance. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci.